On commence CNews avec le trailer de lancement de Halo 5. Un bon moyen de se mettre dans l'ambiance avec cette vidéo plutôt explosive. Allez, il ne reste plus très longtemps à attendre. Le jeu sortira le 27 octobre et on espère que, comme nous, vous êtes fin prêt pour une traque historique. Fallout 4 fera une arrivée en grande pompe le 10 novembre prochain. Et pour nous faire patienter, le jeu se montre dans un trailer live des plus impressionnants. Cette bande-annonce mélange ainsi images réelles et images de synthèse, ça donne clairement envie d'en voir plus. Le mode zombie de Call of Duty fait son grand retour. Avec Black Ops 3, le mode zombie s'inspire des films noirs des années 40 et sera jouable en coopération. Au casting, des acteurs comme Jeff Goldblum et Ron Perlman, du beau monde pour dézinguer du zombie. Halo 5 vient de dévoiler la liste complète de ses succès. Si vous souhaitez la découvrir, rendez-vous sur le site Halo Waypoint. Vous pourrez ainsi découvrir ce qui vous attend comme les succès On The Truth, où vous devrez récupérer toutes les infos, ou encore Lone Wolf, vous demandant de terminer toutes les missions du jeu en difficulté légendaire et en solitaire. Rien que ça. Lui aussi sort très bientôt, Assassin's Creed Syndicate se montre avec de nouvelles images mettant en avant les personnages historiques présents dans ce nouvel opus. Nous pourrons donc compter sur Graham Bell, Karl Marx, Charles Darwin ou encore la reine Victoria. Pour croiser cette panoplie de célébrités, rendez-vous le 23 octobre sur Xbox One. La bêta de Star Wars Battlefront s'est terminée cette semaine et vous avez été 9 millions à vous connecter pour tester le nouveau jeu de DICE et Electronic Arts. Si vous n'avez pas eu la chance de mettre la main dessus, pas d'inquiétude, le jeu sera disponible dès le 12 novembre. Si vous êtes membre EA Access, vous l'aurez en avance et en exclusivité sur Xbox One. En attendant, vous pouvez toujours aller voir le Let's Play de Kitty et Clément. Layers of Fear, le jeu d'horreur du studio polonais Bloober Team, débarque très bientôt pour les participants au programme Preview. Courant octobre, vous pourrez donc plonger dans l'esprit torturé d'un peintre, le tout dans une ambiance très 19e siècle. Ce jeu, ID at Xbox, n'a pas encore de date, mais vous serez les premiers au courant, c'est sûr. Enfin, si vous en avez le courage. Cette semaine a bien évidemment eu son lot de sorties, avec Retour vers le futur, édition 30e anniversaire. Si vous n'aviez pas testé ce jeu par Telltale Games, vous pouvez vous rattraper. Et on vous fera une petite surprise très vite sur Xbox TV. Minecraft Story Mode, aussi par Telltale, est disponible. Les fans de Cube vont être ravis. The Witcher 3 profite d'une extension avec Hearts of Stone. Les bons plans Gold nous proposent cette semaine de faire des économies sur GTA V avec 33% et Dragon Age avec 50% de remise. La Paris Games Week ouvrira ses portes le 28 octobre prochain et bien évidemment nous serons sur place pour vous en faire profiter. Au programme, vous pourrez découvrir Rise of the Tomb Raider, Halo 5 Guardians, Quantum Break, FIFA 16, Forza 6 et plein d'autres surprises dont des jeux ID at Xbox. Xbox TV sera aussi sur place pour couvrir l'événement, alors ne manquez pas le rendez-vous, plein d'infos seront évidemment disponibles sur les réseaux sociaux. Pour toujours plus d'infos, on se retrouve sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à aller voir la nouvelle formule de la Xbox TV avec Kitty et Clément. Salut à tous et bon jeu.